L'abbé Grialoux a été ordonné prêtre le 4 février 1922. Pendant la première semaine de son sacerdoce, il a célébré la messe dans des lieux qui lui sont chers. Le 15 février, il termine son périple dans le petit village de Bord, isolé dans les collines de l'Aveyron. Père Louis Maviel, bonjour. Bonjour, Père Étienne Michelin. Pourquoi l'abbé choisit-il le village de Bord? Henri a choisi ce lieu retiré parce que le curé et l'abbé François Godou, l'oncle de Jeanne, qui est la femme de son frère Marius. Ils se connaissent bien depuis plus de 10 ans. Henri reste 3 jours dans ce village. Le temps d'écrire à sa mère pour la prévenir qu'il est définitivement parti pour le Carmel, le temps aussi de voir comment elle va réagir. Quels sont les accents de cette lettre? Il lui écrit une lettre pathétique. Il dit combien il est douloureux de la souffrance de sa mère, il est conscient de tout ce qu'elle a fait pour lui et il pleure avec elle. Cependant, comme il peut s'appuyer sur la foi profonde de Madame Grialoux, il insiste sur l'authenticité de sa vocation qui a été confirmée de manière certaine par le Seigneur. Henri a résisté à cause du sacrifice que cela imposait à sa mère, mais il faut accomplir la volonté de Dieu. La séparation est douloureuse, mais le Seigneur veut être aimé par-dessus tout. Lui doit partir et elle doit accepter d'offrir son fils au Seigneur. Voilà un extrait. Allons, ma bonne maman que j'aime, tourne-toi vers le bon Dieu sans perdre de vue ton enfant que tu aimais tant. Donne-lui cet enfant, consacre-le-lui complètement. Et rappelle-toi cette image que je te donnais à mon sous-diaconat. Marie tenant sous ses genoux le corps de son fils Jésus. Offre comme elle ton enfant au bon Dieu pour le salut des âmes. Pleure avec elle. Mais demande-lui sa résignation. Et puis Henri explique aussi pourquoi il est parti sans rien dire. Si j'ai choisi cette façon de faire, c'est que je voulais éviter les déchirements des adieux. Mais il la rassure, personne au gars n'était au courant de ses intentions, pas même sa sœur Berthe. Madame Grialoux peut donc continuer à avoir confiance en sa fille, car ne sachant rien, elle ne lui a rien caché. Et puis, Henri rappelle à sa mère la prophétie qu'on lui a faite avant sa naissance. Souviens-toi de cette parole qu'on te dit autrefois avant ma naissance. Laissez-le faire, n'entravez pas ses désirs et la suite que tu connais. Sa mère s'est surtout arrêtée à l'autre partie de la prophétie, la partie sur la célébrité de son fils. Mais il faut pour cela qui n'entrave pas ses projets. D'ailleurs, ajoute Henri, certainement le Seigneur permettra que tu voies la réalisation de tous ces beaux rêves que tu formais pour moi lorsque j'étais petit et que tu aimais me rappeler. Et puis cette phrase qui révèle les dispositions de fond d'Henri. Comment te consolerai-je, ma bonne maman? Je ne le sais pas trop. C'est surtout le bon Dieu qui s'en chargera. C'est à lui que je te confie, et ma confiance ne sera pas trompée. Et il termine en lui redisant son affection. Ma bonne maman, permets encore que je t'embrasse. Je mets toute l'affection dont je suis capable et dont je voudrais te donner de grands témoignages. Retrouve de temps en temps ton enfant auprès de Jésus. Je lui demande de te dire lui-même mon affection. Quelle lettre! Il lui reste à la mettre à la poste. En fait, Henri n'envoie pas cette lettre par la poste parce que le choc pourrait être trop fort. Il l'envoie à sœur Marie Mazet, une fille de la charité de Saint-Vincent-de-Paul, une personnalité très respectée dans Rodez, car elle s'est dévouée sans compter pour les soldats aux heures sombres de la guerre. Elle a aussi dirigé l'hôpital du Gard et connaît donc bien Madame Grialoux qui y travaille. Et comme elle est directrice du patronage de la cathédrale, elle s'est réjouie pendant ces années 1920-1922 d'avoir l'abbé comme animateur et prédicateur du dimanche pour ces jeunes filles. Comment Henri prévient-il sœur Marie?
Il lui envoie donc sa lettre pour sa mère avec ces mots qui l'accompagnent. Ma sœur, je viens vous annoncer que j'ai quitté le gars lundi soir et définitivement. Je n'y rentrerai pas à la fin de la semaine ainsi que je l'avais laissé croire, mais je partirai d'ici pour le noviciat des Pères Carmes à Fontainebleau. L'appel du bon Dieu me paraît irrésistible et malgré tous les obstacles, il m'a paru que je ne devais pas tarder davantage. 6 juin, une petite lettre pour ma bonne maman que vous voudrez bien lui faire parvenir si vous le jugez à propos. Combien de temps reste-t-il à bord? Il reste donc du mercredi 15 février au lundi 20, sans doute pour attendre la réaction de sa mère. Parce que une parole résonne encore dans ses oreilles. Tu peux partir. Avant que tu ne sois à Capdenac, je me serai donné la mort. A-t-il d'autres contacts durant ces jours? Il écrit à Gabriel Saint-Hilaire en le suppliant de prier pour lui. À l'heure qu'il est, dit-il, on a dit à ma bonne maman que j'étais parti définitivement. J'attends avec une certaine angoisse le résultat de l'annonce de cette nouvelle. Le bon Dieu me soutient, mais demande-lui de m'éviter ce dont beaucoup me menacent pour maman. Il lui explique qu'en fait sa mère se résignerait assez facilement à ce terrible sacrifice, mais elle ne trouve pas auprès d'elle les consolateurs qu'il lui faudrait. Aussi, à certaines heures, le sacrifice paraît beaucoup trop dur pour ses forces physiques, et elle a des crises assez fréquentes que la présence d'Henri Auga ne faisait que multiplier. Plus tard, quand il sera à Lille, le père Marie-Eugène rappellera à sa sœur Berthe les plaintes et les scènes auxquelles ils ont assisté pendant la période de l'ordination. Alors, avec euphémisme, Henri confie à Gabriel qu'il y a un peu de souffrance en tout cela, mais ne me plains pas car le bon Dieu compense largement tout ce qu'il m'oblige à faire pour lui. Il lui apprend que le Seigneur le comble. Le bon Dieu maintient ma pleine confiance en lui par toute une série de faveurs qui me laissent espérer d'une façon très ferme que tout s'arrangera. Est-ce qu'il regarde aussi l'année écoulée? Oui, c'est également l'expérience de l'année écoulée qui lui donne cette confiance. Plusieurs fois, écrit-il à Gabriel, la situation a paru désespérée. J'étais obligé plusieurs fois de renoncer à mes projets devant l'impossibilité apparente de les réaliser. Les difficultés sont venues de tous côtés, mais de personnes de qui je croyais pouvoir attendre du secours. Et à chaque fois, au moment où tout allait très mal, il y avait un brusque revirement. Il en sera de même cette fois. Depuis 4 mois, la prière et l'abandon ont été mes grandes armes. Et sa petite sœur Berthe? Il veut lui communiquer sa confiance. Il lui écrit le 18 février « Aie confiance, maman est bien gardée par son bon ange et par sœur Thérèse. » Et puis il veut la consoler. « C'est à toi qu'il m'en a coûté le plus de garder le secret, mais c'était nécessaire pour t'épargner peut-être une souffrance. Mais cette souffrance est venue te visiter depuis lors, terrible, n'est-ce pas ? Plus violente que jamais tu aurais pu le croire. Et tu n'avais même pas un petit mot de ton grand frère pour te consoler et te dire pourquoi il te faisait ainsi souffrir. » En fait, pour Berthe, il y a de quoi avoir le sentiment d'avoir été trahi. En effet, parce que Henri est parti sans rien lui dire alors qu'il se partageait tout. Alors il lui dit « Pleure, chère petite Berthe, pleure à ton aise. Surtout lorsque tu seras seul, tu en as le droit. Il faut que tu pleures pour épancher ton chagrin. Il est trop grand pour que tu puisses le dominer pour l'instant. Pleure tant que tu voudras. Pendant 15 jours au moins, Jésus ne t'en voudra pas. Elle a 20 ans, Berthe. » À Saint-Hilaire, Henri dit qu'il y a un peu de souffrance en tout cela, mais à Berthe, il peut se confier en vérité. « Depuis que le sacrifice est fait, dit-il à Berthe, Jésus paraît vouloir me laisser à mes propres forces.
Tu devines donc mes angoisses. Crois bien que je mêle mes larmes aux tiennes. Je ne leur interdis pas de couler, je les ai retenues si longtemps. Mais que ma douleur n'augmente pas la tienne. Et puis il lui fait cette confidence qu'il refera encore à la fin de sa vie. Songe que souffrir est pour moi une mission imposée par le bon Dieu. Depuis longtemps, j'ai reconnu que c'était la seule chose que je sois capable de faire. Jésus m'a montré que ce serait par la souffrance que je remplirais le rôle qu'il veut me confier. J'avais cru à mon intelligence et à toutes mes sortes de qualités naturelles. Il m'a donné toutes sortes de désillusions. Depuis que j'ai limité mes désirs et mon ambition à la souffrance, tout va bien. Et il me permet d'agir efficacement. Donc, ne t'étonne pas qu'il me fasse souffrir. Cette période de souffrance aiguë est la meilleure pour moi. Est-ce que je peux avouer que ses confidences à sa sœur Berthe sont quand même bien déconcertantes? Jésus qui fait souffrir? La souffrance est un mal en soi, mais la passion de Jésus et le baptême que Jésus avait hâte de vivre nous montrent comment la manière de souffrir peut être féconde. Henri souffre de quitter sa mère, il souffre de la voir souffrir, il souffre aussi de l'angoisse d'un geste fatal. Il confiera plus tard qu'il est parti avec la quasi-certitude que sa mère allait se suicider. Mais en même temps, les antinomies sont toujours là. Au milieu de cette souffrance aiguë, il essaye de remercier Jésus. D'ailleurs, dit-il, comment ne le ferais-je pas lorsque je vois Jésus se livrer à moi complètement, m'obéir comme un esclave? Je n'agis que pour obéir à Jésus qui m'a ordonné tout ce que j'ai fait. Sainte Thérèse d'Avila l'a dit, et le Père Marie-Eugène le répétera dans « Je veux voir Dieu », quelle force renferme ce don. S'il est présenté avec cette générosité qui doit l'accompagner, il ne peut manquer d'attirer le Tout-Puissant à ne faire qu'un avec notre bassesse, à nous transformer en lui. Mais enfin, souffrir à ce point, cela doit se voir dans tout le comportement. Alors, de fait, l'antinomie est bien réelle. Car si nous avons d'une part cette lettre à Berthe qui nous révèle la souffrance aiguë qui emplit le cœur d'Henri, nous avons aussi la lettre d'une jeune religieuse de la paroisse qui a contemplé pendant 3 jours le bonheur du nouveau prêtre. C'est une cousine de Gabriel Saint-Hilaire et elle lui écrit « Après l'évangile de la grand-messe, nous eûmes le bonheur d'entendre sa parole ardente et tout embrasée. En quelques mots, il a révélé à la paroisse la joie, le bonheur, tout surnaturel et en quelque sorte divin de la vie sacerdotale et de la vie religieuse. La félicité intime qu'éprouve une âme quand elle s'est donnée à Dieu sans réserve. Sa figure était toute illuminée et il y avait en lui comme un reflet céleste qui charmait quand il exhortait les jeunes à ne pas résister à l'appel de Dieu s'il se faisait entendre. Et les parents à ne pas entraver la vocation de leurs enfants. Et la sœur de conclure, on n'approche jamais un saint sans devenir meilleur. Cela fait penser à cette phrase de saint Paul dans la deuxième lettre aux Corinthiens, chapitre 7, verset 4. Je déborde de joie dans toutes nos détresses. Un mois auparavant, Henri avait expliqué aux jeunes filles du patronage qu'il fallait toujours rester joyeux et sourire, même lorsqu'on est triste, car notre joie nous fait ressembler à Dieu qui est infiniment heureux. Elle montre que nous sommes contents de notre sort, c'est la meilleure façon de dire à Dieu notre résignation à sa sainte volonté. De plus, dit-il, la joie répand le bonheur autour de nous. Elle se manifeste par l'amabilité, le sourire. La force du sourire est immense. On est parfois triste et il est alors difficile d'être gai et de sourire. Pour conserver sa joie, pensez à notre Seigneur. Unissez-vous à lui pour être gai, toujours aimable, toujours joyeuse, comme l'étaient les saints.
Que se passe-t-il pendant ce temps à la maison ? Alors le père Marie-Eugène le racontera plus tard. Sœur Marie est allée au gars et a dit à Madame Grialoux, « Votre fils m'a écrit, il est parti. Si vous voulez vous suicider, c'est le moment. Le bon Dieu vous demande ce sacrifice, il faut que vous le fassiez. » Évidemment, Madame Grialoux est restée interdite et le malheur n'a pas eu lieu. Et Bertha envoie alors un télégramme à son frère pour annoncer que les choses vont bien. Henri peut donc prendre le train pour Paris. Il quitte l'Aveyron le 20 février. Et le même jour, le père Belmont, son directeur spirituel, écrit à un séminariste « Vous avez appris que M. Grialoux nous quitte pour les Pères Carmes. Les difficultés qu'il a trouvées auprès de sa mère sont inouïes. Ce n'est pas exprimable et il part quand même. » Et le père Belmont fait part à ce séminariste de toutes les critiques qui ont été formulées contre Henri et son directeur. « On agit, dit-il, comme s'il s'agissait avec lui d'un impulsif, d'un enthousiaste, d'un emballé ou d'un naïf. Quelqu'un disait qu'on ne devait pas le laisser partir pour une velléité de vie religieuse. Comme si on pouvait appeler ainsi ce qui lui a fait accepter des sacrifices héroïques. Jamais le mot ne fut plus juste. D'autres raisonnent comme les gens du monde et ne voient plus qu'une vie perdue parce qu'on la consacre à la vie contemplative. » Et il conclut « Au séminaire, ce départ a produit la plus profonde impression et le souvenir de cet ancien fait encore du bien. Je suis bien content d'avoir compris que vous étiez en relation avec une si grande âme, toute donnée à Dieu, comme il est visible pour tous ceux qui la connaissent. » Henri quitte donc Bord et l'Aveyron le lundi 20 février. Oui. A-t-il un point de chute à Paris ? Il va loger chez sa sœur Angèle à Paris. Il en profite pour aller célébrer une messe au séminaire des missions étrangères rue du Bac, où se trouvent deux anciens séminaristes de Rodez avec qui il a grandi. Et le dernier soir, le 23 février, toute la famille parisienne dîne chez Marius, c'est-à-dire Angèle, Fernande, Marius. Le lendemain, Henri écrit à Marius « Ne vous troublez pas de toutes les manifestations extérieures que sa mère pourrait faire à mon sujet. Tout s'arrangera, il le faut. » Et au dos de l'enveloppe, Angèle ajoute au crayon « Il vient de partir avec un courage. Je n'ai pu dissimuler jusqu'au bout mon émotion et il a écourté les adieux. Quand nous vous avons eu quitté hier soir, il était très content, mais dans le métro, il est devenu songeur. Et je voyais à certaines crispations de son visage qu'il retenait à grand-peine ses larmes. Pauvre grand, il m'affirme qu'il va vers son but, son bonheur, mais je ne puis m'empêcher de le plaindre et d'avoir du chagrin. Je pars travailler, cela me fera du bien. » J'avoue que je suis vraiment impressionné de ces moments et des attitudes profondes et si mystérieuses finalement de l'âme d'Henri Grialoux, ces antinomies de souffrance profonde, d'oubli de soi, de joie pour les autres. J'avoue que j'en suis très ému. Nous verrons dans notre prochain entretien avec vous, Père Louis Maviel, sous un autre aspect, concernant en particulier sa maman, ce que l'abbé Grialoux a dû quitter pour réaliser sa vocation. Merci beaucoup et à la prochaine fois. Merci, au revoir.